Pourquoi avoir tué mon enfant? Je répète la question. Pourquoi avoir tué mon enfant? Parce que tu as tué ma mère. Ah. C'était par vengeance. Je vois. C'est plus que ça. Oh. C'est pour la liberté. La liberté. Tu sembles avoir toute la liberté qu'il te faut. Celle d'assassiner mon héritier. Non, c'est pas de ma liberté que je parle, c'est de celle de l'humanité. L'humanité. Et que ferait l'humanité de cette liberté, à ton avis? Les humains étaient libres avant. Et à quoi passaient-ils leur temps? À se battre, à tuer, à affamer. J'ai apporté la richesse. J'ai apporté l'ordre. Qu'est-ce que tu as apporté? Outre la violence, la guerre, la mort. Allez, Dante. Vas-y, tape là où ça fait bien mal. En fait, Mundus, t'as raison. C'était pas pour l'humanité, c'était pour me venger. Et tu veux que je te dise? Tuer ton enfant comme ça, le voir exploser en milliers de petits morceaux gluants, t'entendre crier comme une de tes putes démoniaques, ça a pas de prix. Laisse mon frère tranquille. Ça va, Dante? T'as pris ton temps. Ça fait plaisir. Thank you.
peut le tuer maintenant? Vous allez mourir. Jamais! Une idée? Tu vois son œil là? Ouais. Son fils avait un truc du genre. Commençons par là. Il faut arriver à l'ouvrir. Je suis Mondos. T'es un connard! Occupe-le pendant que j'essaye d'ouvrir cette faille. N'attaque pas! Reste en vie tant que son œil est à couvert! Bien joué. Des fissures apparaissent. Dante, tu vois ça? Ouais, je vois. Il est toujours là-dedans. Il faut trouver un moyen de passer et de le tuer. Allez, on y va. Pourquoi son corps était là? Donc Mundus a fusionné avec son incarnation physique. C'est pour ça qu'il le protège. Donc si on tue son corps, on tue Mundus.
a réussi. J'ai réussi. Les limbes se sont effondrées dans le monde réel. Ce qui était masqué est maintenant visible de tous. Une révolution va commencer. Je pensais pas vivre assez longtemps pour voir ça. C'est le début de la fin pour les démons. L'humanité est libre. Oui. Libre de tout démon. C'est maintenant à nous de régner. Qu'est-ce que tu dis ? C'est maintenant à notre tour de régner. Régner sur quoi ? Ça ? Le monde entier ? Virgile ? Tu veux dire, comme Mundus ? Non ! Non ! Nous n'avons rien de commun avec Mundus. Nous nous respecterons nos sujets, ils ne seront pas esclaves. Nos sujets ? Ils parlent de toi. Ils parlent des humains. Je croyais qu'on se battait pour la liberté. C'est pour sa liberté à lui qu'on se battait, pas la vôtre. Ce n'est pas si simple, et tu le sais. Les humains sont faibles. Ce sont des enfants. Ils ont besoin d'être protégés. Et pas seulement des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Dante, toi et moi, nous les avons sauvés. Quoi ? Toi et moi ? Qui d'autre ? Une humaine. Kat a été utile, mais... Utile ? Tu veux rire ? Kat m'a sauvé la vie ! Elle a tenu sous la torture pour garder ton existence secrète ! Elle nous a guidés à travers la tour jusqu'à Mundus ! Sans elle, on aurait échoué plus de 100 fois ! Écoute, si tu n'arrives pas à voir le chaos inhérent à leur race, si tu ne veux pas porter la responsabilité de leur protection, alors écarte-toi. Je régnerai seul. Je t'ai pas aidé à détruire Mundus pour que tu prennes sa place. Je peux pas te laisser faire, Virgile. Je ne peux pas te laisser m'arrêter, mon frère. Alors, écarte-toi. Ne fais pas ça. Virgile, s'il te plaît. Reste en dehors de ça! We'll be right back.
soit pas. Thank you.
Écoute-moi, Dante. Épargne-le. Le monde est sous ma protection maintenant. Tu as choisi le mauvais camp. Tu n'es pas humain, Dante. Et tu ne le seras jamais. Je sais plus vraiment qui je suis. Moi, je sais très bien qui tu es. Tu es Dante. Rien de plus. Et rien de moins.